mieux que de se retrouver sur la meilleure des chaînes TV. À l'instant, c'est votre émission préférée, le MAC Parocréatrice Info. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur Parocréatrice Info Télévision. Alors, si vous voulez découvrir le contenu de cette semaine, restez jusqu'au bout. Méditons ensemble une citation du prophète William Branham tirée de la brochure La foi du 13 août 1961. Au dernier paragraphe de cet extrait, le prophète dit, je cite, « Eh bien, maintenant, la seule chose que vous avez à faire pour vous élever plus haut dans la guérison, c'est simplement d'avoir plus de foi, c'est simplement de continuer à monter. » L'éditorial de cette semaine porte sur le pouvoir inspiré par Dieu pour prophétiser à nouveau. Au tout premier paragraphe de cet extrait, le frère Augustin Maquin souligne, je cite, « Lors de sa première venue, le Seigneur Jésus vint comme un simple homme mourir pour les péchés de l'humanité. À la seconde, il vient dans sa gloire et les signes qu'il annonce ne font pas défaut. » L'écho d'ici et d'ailleurs nous présente le culte du dimanche 22 janvier 2023 au Mongo Tabernacle de Consamba, culte présidé par le pasteur Nanta Jacob dans son thème « Le sacrifice ». Retrouvez l'actualité de toutes les églises, filles et sœurs, dans Actu des églises avec Esther Madimba tous les mercredis. Poursuivons à présent avec la rubrique des exhortations qui a pour titre « Suivre la lumière qui éclaire au temps du soir ou alors rester dans les ténèbres ». Ici, le frère Augustin nous fait comprendre au premier paragraphe de cet extrait qu'il y a danger pour ceux qui refusent de marcher dans la lumière que Dieu donne pour le jour. La lettre aux compatriotes de la diaspora a pour titre « Agissons conduits par l'Esprit de Dieu pour faire des exploits ». Nous sommes appelés à vivre des vies saintes, nos cœurs constamment attirés vers Dieu et le Saint-Esprit demeurant en nous comme une présence permanente, nous dit le frère Emmanuel au troisième paragraphe de cet article. La nouvelle série de cette semaine porte sur « La puissance divine se déploie dans notre faiblesse ». Au paragraphe 7 de cet extrait, il est écrit, je cite, « Si le Seigneur n'employait que des gens parfaits, rien ne se ferait jamais car aucun de nous n'est parfait ». Biographie du prophète, nous continuons avec le chapitre 85 de son fusil explose du 1962. Les détails de cette biographie dans votre magazine en ligne. Enfin, info utile de la semaine. Dans le cadre de la mise en place de ces projets, la Conférence épiscopale nationale du Cameroun recrute 2 postes à pouvoir. Cliquez sur le lien ci-après pour plus de détails. Le gouvernement russe a mis à la disposition des étudiants camerounais sans bourse d'études pour le compte de l'année académique 2023-2024. Retrouvez les 5 écoles qui donnent accès à la fonction publique au Cameroun en 2023 en ligne. Bonne nouvelle pour toi qui veux immigrer au Canada. De nombreuses entreprises multinationales au Canada invitent les candidats internationaux à poser leur candidature. Ces entreprises parraineront et aideront les candidats retenus à obtenir un visa. Parvenu au thème de notre édition de cette semaine, fidèles téléspectateurs, nous vous disons merci pour votre aimable attention. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Voulant avec Lumière Bibolet. Pour plus d'informations, cliquez tout simplement sur www.info.parolecreatrice.org.